Dans cette petite vidéo, je vous ai montré la petite roue de contact qui fait 38 par 50 mm. Donc cette petite roue de contact peut être bien pratique dans certains cas pour des manches où il y a des formes arrondies petites. Ça évite de le faire à la main, voilà, on gagne beaucoup plus de temps en le faisant directement au backstand. On peut également créer des gorges sur les lames, ce qui permet d'alléger les lames. Donc ça, c'était fait sur les sabres japonais et sur certains couteaux type baïonnette américaine. Donc c'est pas mal, ouais. On peut faire des gorges sur des lames pour alléger le poids, pour le style. On peut même détourer le manche d'un couteau, détourer le dessus de la lame avec, s'il y a besoin. On peut faire des textures aussi, comme j'ai montré dans la vidéo, on peut faire des petites textures sympas sur un manche de couteau, par exemple tout en acier. Même sur le bois ou sur du G10, ça marcherait aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Retrouvez chez Michel Vaillant toutes les différentes roues de contact. Je vous mets la liste disponible ici. Voilà. Moi je vous dis merci et à plus.